Donc, on se retrouve aujourd'hui sur le centre d'examen de Créteil, on va faire une préparation au permis de conduire. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aider la personne avant toute chose, puisqu'elle a déjà sa date de permis de conduire. Si elle fait des erreurs, bah, on va en discuter, on en parlera, on les verra, peut-être que cette vidéo va l'aider, c'est aussi son objectif. Et si elle n'en fait pas, bah, tant mieux, elle pourra revoir ça tranquillement à la maison, éventuellement comprendre les choses qui étaient difficiles ou pas. Voilà, si je fais des commentaires ou autres, elles sont là pour t'aider. Je vais te donner les directions comme le jour de l'examen et je vais faire le rôle de l'inspecteur, c'est-à-dire droite, gauche, gauche, droite. Si tu comprends pas, tu me fais répéter. Une manœuvre en marche arrière, des questions de vérification éventuellement. Et ensuite, on reviendra tranquillement au point de départ ici sur le centre d'examen de Créteil. C'est OK pour toi? Ouais. Parfait. Dès que tu es prête, on ira à droite. On va toujours tout droit. Toujours tout droit pour le moment. Bah, tu vois que si je dis rien, c'est toujours tout droit. Comme au permis, ça sera exactement pareil. Si on dit rien, c'est toujours tout droit. Tu as toujours la possibilité de demander si c'est nécessaire. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Puis nous tournerons à gauche. Je m'arrête, je vais l'espacer peut-être. Tu ferais quoi le jour du permis? Là je pense que ça peut passer. Tu veux prendre le risque? Non. Donc le jour du permis tu prends pas de risque et tu fais ce que tu viens de faire là, c'est extrêmement important. J'appelle ça renoncer. Tu serais allé, il y aurait peut-être eu un risque d'un côté. Et nous tournerons à droite à la prochaine intersection. Ensuite, nous irons à gauche, complètement à gauche.
Nous suivrons la direction de Coteau du Sud. Coteau du Sud. Nous allons tourner à droite. Nous irons toujours tout droit, comme le bus. Nous allons tourner à droite. Toujours tout droit. Puis nous allons suivre la direction de l'autoroute, la A86. À la prochaine intersection, nous irons en face. Oui, en face. Direction les Sarrasins, Coteau du Sud. Nous suivrons la direction du port. Tu vois la dame derrière qui traverse? Oui. Si tu serais arrêté, ça aurait été vu comme de la courtoisie. Elle n'était pas encore engagée. Elle était à 2-3 mètres du passage piéton. Pas de problème. À la prochaine intersection, nous irons à gauche.
Nous prendrons la première à droite. On va s'arrêter ici, là. Finalement, non. Pardon. Elle est un peu trop petite. On va continuer. On va tourner à gauche dans la rue. Voilà, il y a un parking à gauche où il y a la voiture jaune. Et bien, nous allons rentrer via le monsieur d'ailleurs. Nous irons donc à gauche. On va aller chercher une place dans ce parking de manière à effectuer une manœuvre. Nous irons à gauche. On va effectuer une manœuvre en marche arrière à côté du véhicule blanc. Allure lente, en toute sécurité. Bravo. Comme j'ai pas le PDF là, enfin si je l'ai, excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Il est derrière. Tu vas me donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il te plaît. Je vais chercher le PDF. Il y a un truc ici. Bon, alors, est-ce que tu peux regarder dans la portière ? C'est ce truc-là ? C'est ça, exactement. Merci. Alors, merci. Je l'ai utilisé hier pendant l'examen pour faire réviser les élèves, c'est pour ça. C'est 20. Donc la question 20, alors contrôler l'état et le fonctionnement des feux de route, donc tu dois me montrer les feux de route déjà, me les allumer. C'est ça. C'est des appels de phare, effectivement, de feux de route, mais comment on met les feux de route constamment? Ok. Et donc en gros, tu dois sortir dehors. Ouais. On va pas le faire, il pleut, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Bah, on vérifie qu'ils sont pas sales, qu'ils sont pas abîmés, qu'ils fonctionnent bien. Parfait, c'est très bien. Donc si t'es un des deux, si t'es un cas d'utilisation des appels lumineux. Les appels lumineux. Un cas. À quel moment tu peux faire un appel de phare? Si il y a eu un petit un danger, enfin pas un danger, mais non. Attends. C'est parce qu'un danger imminent, on peut... Enfin, un des... Un cas, un cas. Dis-moi à quel moment tu peux utiliser faire un appel lumineux. Je sais pas, genre si il y a quelqu'un qui est devant moi qui
qui a changé de voie et qui a pas fait de clignotant, je sais pas. D'accord, bon, tu l'avais dit, c'est en cas de danger. C'était un danger. C'est okay. Ça. Okay. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Le gilet haute visibilité. Ok, très bien. Tu peux enlever les feux de route. Il faut les enlever. Là. Ils sont enlevés ou pas? Ils sont pas enlevés. Non. Alors montre-moi le voyant des feux de route. Alors c'est le vert. Non, ça, les verts, du coup, c'est les feux de croisement. Mmh. Et du coup, si je veux les enlever, en fait, là, je l'ai mis comme ça. Mais le feu de route, c'est lequel, alors, du coup? C'est celui-là. Mais est-ce qu'il les voit? Non, il est pas. Donc, ils sont éteints. Ouais, mais du coup, pourquoi l'autre, il est allumé? Parce que c'est les feux de position et qu'on est en automatique et qu'il pleut. Okay. Ah oui, il pleut. C'est OK? Ouais. On va repartir, on ira à droite. Puis nous irons à droite à la sortie, donc on sort à droite. À l'intersection, nous irons à gauche. Et on va tourner à gauche. Ensuite, nous allons suivre la direction de pointe du lac. Donc c'est tout en face, d'accord? Tout en face. Je vais te le continuer. C'est plus loin encore. Ok. Voilà, Europark. C'est encore, c'est par là. Europark, les Sarrasins. D'accord. Coteau du Sud. Toujours tout droit, hein. pas Europark, toujours tout droit. On suivra la direction de Créteil-Centre. A4. Ah non, merde. Mais du coup, là, je te freine, t'allais griller le feu, là.
Je l'ai vu, enfin je l'ai... J'ai freiné avant. Alors les coups de volant, on ne met jamais les coups de volant. Ça c'est la première chose donc, que tu dois pas faire, tu dois arrêter de faire ça. Tu serais resté à droite, c'est pas grave. Comme tu peux le voir derrière, là, derrière nous, il n'y a personne. Donc, ce qui voulait donc dire que si tu étais à droite, la voiture qui est à côté de toi, elle se serait mise ici. Et qu'une fois qu'elle aurait dégagé, tu aurais pu faire un changement de fil. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu étais à droite, tu t'es trompé. Bon, on va à droite et je t'aurais fait faire un autre chemin. Et troisièmement, l'erreur la plus importante, c'est qu'en arrivant au virage, quand je t'ai donné la direction, tu as cherché et tu n'as pas arrêté d'accélérer. Et du coup, quand tu n'as pas arrêté d'accélérer, bah, tu arrivais vite. Tu l'as vu au dernier moment, tu étais en train de concentrer sur la recherche et tu n'as pas appuyé sur le frein. Je viens de te donner trois choses que tu aurais pu faire pour constater la direction et pour ne pas faire l'erreur de passer. Parce que là, on a la même limite, on est un peu après les pointillés, là, tu vois. Et ensuite, nous suivrons la direction du Mont Mélie. Puis nous irons à droite. Et ensuite, nous irons à droite. Et ensuite, nous irons à gauche. Ok, on va le dépasser parce qu'il veut se garer.
va se mettre à droite alors, pardon. C'est quand même affarant, il y a des places partout, mais on va se mettre à droite, on va tourner à droite. Voilà, l'examen il serait terminé. Donc je vais résumer un peu quand même avec toi. T'as mieux conduit aujourd'hui que les autres fois. Alors là, on va aller tout doucement parce que lui là, c'était pas une place de stationnement, mais il s'y est mis. Voilà, on va tout doucement, tout doucement. Voilà, très bien. Et ensuite on tournera à droite encore. À droite. Donc je disais, tu as mieux conduit que les autres fois, c'est bien, néanmoins tu as fait cette erreur du feu, je t'ai expliqué pourquoi. Je vais te reprocher quand même deux autres choses que tu reverras dans cette vidéo. Un moment à la 13e minute, tu regarderas le compte à rebours de cette vidéo, on allait rentrer sur le parking, je t'ai dit on allait à gauche, et en fait tu as un défaut, et je veux que tu sois consciente de ce défaut, parce que je vais te dire encore comment faire, et le jour du permis, si tu élimines à cause de ça, tu pourras t'en vouloir que à toi-même, parce que je t'aurais prévenu. Tu bifurques vers la droite, c'est-à-dire que quand tu veux aller à gauche, tu restes concentré à gauche, et en fait avec le volant tu fais ça. Et en fait le simple fait de faire ça avec le volant, la voiture elle part vers la droite. Elle part vers la droite, à tel point que j'ai mis le pied devant le frein, au moment où tu as commencé à tourner à gauche. Ce que j'allais dire maintenant, là, ça va frôler le trottoir. Et tu as fait exactement la même chose en rentrant dans le parking ici, pour tourner encore à gauche. C'est-à-dire que tu es concentré sur la gauche, que sur la gauche, rien que sur la gauche. Et du coup, tu laisses dévier la voiture vers la droite, jusqu'à ce qu'elle frotte. Et quand elle frotte, tu seras éliminé. Donc si tu, le jour du permis, ça se présente, sache que je t'ai prévenu déjà plusieurs fois que tu ne regardais pas suffisamment le rétro à droite, que tu ne bougeais pas suffisamment ta tête dans le rétro à droite, dans plein de situations et dans beaucoup de situations qui le nécessitent, pour la prise d'information, pour le regard et les mouvements de tête sur la droite, que tu avais un regard parfois un peu trop fixe, mais surtout du côté droit, et qu'à cause de ça, ça peut te jouer des tours et tu peux faire des erreurs éliminatoires. Cette vidéo, elle sera en ligne aujourd'hui, nous sommes le 3, et donc elle sera en ligne aujourd'hui, de manière à ce que tu puisses te voir avant de passer. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé sa conduite.